Alors ça y est, me revoilà, c'est pour la nouvelle rubrique des CD qui sont sortis ces derniers temps, donc on a un petit peu de retard, on va essayer de rattraper tout ça. Donc on commence par l'album de Alaï Tribe. Donc Alaï Tribe, ça fait plus de 10 ans qu'ils font du son. Ils nous sortent leur 5e album qui s'appelle Limboland. C'est un superbe album, donc qui est transacoustique. Notamment, il y a le 3e morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Peace, Dub, Raga, assez speed. C'est vraiment un très très bon album qui sort donc ce mois-ci, au mois d'avril. On continue avec un label français qui s'appelle Turbo Trans Records. Il nous a sorti ces derniers temps pas moins de 3 CD. On a tout d'abord Man Man Man, The Legend Remix. C'est de la musique plutôt intelligente, de journée, à écouter chez soi. Je crois que ça a déjà fait un carton pas mal tout autour de la planète au niveau des ventes. Pour continuer sur ce même label, on a Electric. Donc là, ce sont deux Israéliens qui sont labellisés sur Turbo Trans en France. Et on a 9 morceaux, pareil. Donc c'est Plug and Play, l'album. Et donc c'est plutôt dans le style full on avec un bon groove. C'est pas trop dans la mélodie, mais ça reste vraiment sympa. C'est un super super album aussi d'artistes sur ce même label. Et pour continuer toujours sur Turbo Trans Records, c'est Pygmé Groove volume 1. Ça, c'est une super bonne compile aussi sur Turbo Trans. Et à venir bientôt aussi Accelerator 3. Psytropic Line, donc du label Psytropic Records. C'est aussi très sympa comme compile. Il vient d'Allemagne. Alors, ensuite on continue, donc c'est avec un label israélien, c'est Spliff Music. Alors Spliff Music qui nous sort donc Mythos Production 2006, compilé par DJ Tsunami. Alors toujours dans les compilations, on a Translucent Records qui nous a sorti la compile The Ayahuasca Experience. Une bonne petite compile bien sympa aussi, toujours en provenance d'Israël, ça n'arrête toujours pas là-bas. Moi je kiffe bien. Là on est sur le label Phonocall Records. Alors Phonocall Records, ils m'ont envoyé pas mal de trucs. Premièrement, il y avait eu la compile Satisfaction 4. Je dis Satisfaction 4, Satisfait quoi. Sur le même label avec Dynamic qui nous sort son nouvel album. J'ai reçu ce matin, j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais connaissant cet artiste, moi j'apprécie tout ce qu'il fait en général, ça booste pas mal, c'est bien dancefloor dans le style full on. L'autre compile aussi qui est sorti sur Phonocall Records, c'est The Next Generation, donc compilé par Hypersonic qui nous avait sorti son album sur le même, même label. Utopia Records qui nous a sorti Pure Imagination 3. C'est le morceau qu'on écoute qui a sorti aussi en même temps son album Freak Show. Donc ça bouge bien, c'est très dance floor et donc c'est vraiment pas mal du tout. On a aussi Anand Dashek, donc ils avaient joué il n'y a pas longtemps en France à la Full Love, hein, on a des reportages ce mois-ci d'ailleurs. Un très bon album assez complet, on a un dernier morceau d'ambiance, donc We Speak Music, qui est le titre de l'album Anand Dashek. C'est de la balle. Alors ensuite on continue avec un autre label israélien, on est sur Compact Records avec Ferby Boys, Twilight Zone. Ferby Boys, c'est deux artistes qui font partie de Sesto Sento. Et il y en a un d'ailleurs qui fait Gattaca en projet solo. Voilà, encore un bon album israélien, full on, mélodique et qui est bien dancefloor une fois de plus. Toujours sur le même label, on a Cosmic Tone qui nous sort Physical Reaction, mais là c'est un EP. Deux super morceaux de Cosmic Tone. Là on est avec Adra Kadabra 2, donc la nouvelle compilation de l'association Adra qui vient de Grenoble comme vous le savez. Donc vraiment une bonne compile de Adra, c'est leur 3e il me semble. En Afrique du Sud on a deux superbes artistes, à commencer donc par Hydraglyph. Ça s'appelle Kinetic, c'est le titre du premier morceau. Je dis, il y a donc un deuxième artiste, c'est Corona. C'était un peu hasardeux dessus au début, mais après l'écoute, je me suis dit ça vaut vraiment le coup aussi d'en parler. Ça nous vient aussi d'Afrique du Sud, hein, donc toujours de Sanskar Records. L'album s'appelle Photosphère.
Alors après l'Afrique du Sud, on part direct en Australie. On arrive sur le label Digital Psionic Records, qui nous sort sa nouvelle compile. Ça commence par duo Dialyse, après Monog, là, donc le morceau qu'on écoute. Alors Monog, franchement, je kiffe total. C'est un superbe artiste, on a quelques photos de lui d'ailleurs. Donc il joue à la Namasté, hein, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, le 8 avril pour la Gaïa. C'est Psionic Distortion, je vous la conseille vivement. Une très bonne compile pour le mix et pour l'écoute. Hein. Alors après on rentre donc dans les sons un peu plus durs, on va en Suisse. Donc d'excellents morceaux à ne pas rater sur ce label. Avec également donc Dramatic qui nous sort son album aussi sur le même label. Ça porte bien son nom, ça le rend bien dans la tête. Là on est en train d'écouter le morceau Don't Not Fuck With The Chuck. C'est vraiment sympa, donc moi j'ai vraiment kiffé tout le long de l'album, hein. C'est vraiment de la boulette. Double REL sur Doof Records. Là c'est le label LPS Lost Possible Solution, donc il nous sort sa dernière compile qui s'appelle Daniel and Error, la cinquième compile. Pour ceux qui aiment les sons qui sont un peu plus planants mais black quoi. Hein. Alors on continue toujours en Afrique du Sud, c'est sur le label Nexus Media avec Brethren, The Legend of Kane. Alors on continue dans les sons psychés, mais là cette fois-ci on est en France. C'est avec le label Mahogany Records, donc le label de DJ Naya. Alors ensuite il y a le label Metatron Records qui m'a envoyé depuis l'Israël l'album de Technodrome, Earthquake. Donc un album bien boosté, on s'en prend plein la gueule, hein. Ça je vous dis tout de suite. Bon pour le dance floor, et j'en ai mixé un d'ailleurs au Battle Far, dernière fois que j'ai joué, j'ai vu que ça vraiment plu à tout le monde. Technodrome. Une nouvelle boulette à découvrir. Alors on revient une fois de plus en Afrique du Sud avec l'album de Twisted System qui nous sort l'album Core. Alors comme le titre l'annonce, c'est un album qui est assez core, on s'en prend plein les oreilles. Donc il n'y a pas de titre sur cet album, c'est des symboles et du son à écouter surtout. Et pour finir, donc on arrive sur une compilation qui nous vient du Japon. C'est Freaks Records. Alors Freaks Records, faut savoir en fait que c'est une sous-division de Parvati Records qui nous vient du Danemark. Alors c'est fini pour ce mois-ci, on avait pas mal de retard, ça a été la déferlante. J'espère que vous avez apprécié comme ma petite sélection, un peu pour tous les goûts. Je suis désolé, il n'y a pas trop de progressif parce que bon, bah, c'est pas trop ma catégorie. Et donc je vous dis au mois prochain et bonne teuf pour ceux qui bougent et bonne écoute pour ceux qui achètent du monde. Voilà, c'était Psy Trans TV 9e édition, encore une émission dédiée à la musique psychédélique. Merci à vous tous, n'oubliez pas, restez connectés, partagez, faites tourner l'information. Et le psychédélisme, c'est l'ouverture d'esprit, alors ouvrez-vous, ouvrez, changez et à bientôt pour une prochaine émission. Freedom and light. Voilà, love à tous et à une prochaine, à bientôt. Au mois prochain. Merci. Avec le reportage de la Namasté. Ciao. Ciao.
déchets.